Ce que je dirais avec les États-Unis, c'est qu'il y a vraiment de la musique partout, mais la musique est beaucoup plus informelle. Moi, quand je suis arrivé à Paris, il y avait plein de bars où je pouvais jouer, je faisais la manche. Et la quasi-majorité de ces bars-là ont arrêté de faire de la musique maintenant à cause des problèmes de voisinage. C'était plutôt un pèlerinage, en fait. Moi, j'ai toujours été attiré par les États-Unis, enfin par la culture populaire des États-Unis. Je sais pas, la musique nord-américaine, s'il s'agit de ça, c'est un truc que j'ai écouté toute ma vie, entre les disques qu'écoutait ma mère. Les génériques d'émissions de télé, on ne se rend pas compte, mais c'est des choses qui restent dans l'imaginaire collectif et qui, bien souvent, sont des purs trucs d'Americana. Avec l'avant-dernier album, c'est là où j'ai commencé à aller jouer beaucoup à l'étranger. Je vais au Japon depuis la faveur de l'automne, donc depuis 2003-2004. Mais avec le troisième album, c'est là où j'ai découvert tous ces pays anglo-saxons. C'était peut-être ma sixième fois, cinquième ou sixième fois à Portland. Que j'ai des amis là-bas, que j'ai mes petites habitudes. Enfin, ça commence là, je trouve, le fait de s'approprier un lieu ou une ville. C'est d'y avoir quelques amis. Et puis pouvoir s'y promener seul, s'y sentir bien. Et à Portland, il y a vraiment un truc comme ça. Donc du coup, il y avait vachement de bienveillance en fait autour de l'album. Aux États-Unis, on parle beaucoup moins, c'est beaucoup plus dans l'efficacité. Par exemple, quand on bosse avec des Français, l'idée c'est d'exposer son idée justement, d'en discuter avec eux avant d'essayer de la mettre éventuellement en place ou pas. Alors que là-bas, on dit assez rapidement, écoute, non, montre-nous, essaie. Et ça, c'était marrant, cette énergie-là en fait. Mais surtout, avant d'enregistrer cet album-là, on a fait une petite tournée pour tester les nouveaux morceaux. Et ce qui revenait très souvent, c'était que les gens étaient très attachés aux Français. Et du coup, nous on s'est dit que c'était pas forcément une bonne idée d'aller mettre de force dans le morceau, tu sais, en anglais, voilà, sur le disque. Je pense pas que le changement soit fondamental parce que l'idée c'était pas d'effacer tout ce qu'il y avait eu derrière, mais plutôt de préciser un truc en fait, c'est de continuer à creuser un sillon.